Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est Coach Raph, votre coach en technique individuelle football et football freestyle. Donc, dans la vidéo précédente, je vous ai parlé un peu des petits ponts. Je vous ai expliqué que avant de faire des petits ponts, il faut d'abord apprendre à déstabiliser le joueur parce que un petit pont ne se fait pas comme ça. Il faut d'abord apprendre les mouvements de déstabilisation. Donc, je pense que ça a été assez clair. Donc là, aujourd'hui, je vais commencer par vous montrer le premier mouvement de déstabilisation. Mais avant ça, regardez cette petite démo technique. C'est parti. Alors, avant de vous apprendre le premier mouvement de déstabilisation, je voulais mettre quelque chose au clair parce que je sais très bien que lorsque vous allez commencer à apprendre ces mouvements et lorsque vous allez les faire, il y aura certainement des gens qui vont vous dire: ouais, mais à quoi ça sert tout ça? Tu ne vas pas faire tout ça pendant un match. Certainement, tous les mouvements que nous allons apprendre, d'ailleurs, vous avez vu un peu la démo que je viens de vous montrer. Ces mouvements-là, on ne va pas forcément les utiliser sur un terrain. Mais ces mouvements ont pour but tout simplement de vous aider à développer plusieurs choses en vous. Tout d'abord, la vivacité. Ensuite, vous allez plus développer votre technicité. Ce sont des mouvements aussi qui vont vous faire travailler votre motricité, mais avec ballon, ce qui est très intéressant. Et aussi, ce sont des mouvements qui vont vous permettre de travailler vos appuis et surtout, et ça c'est très important, de débloquer vos hanches. Parce qu'en fait, j'ai remarqué que beaucoup de jeunes footballeurs, eh bien, ils ont un problème au niveau de leurs hanches. On a l'impression que vous êtes, voilà, qu'il y a un blocage au niveau de vos hanches lorsque on vous demande de réaliser des mouvements comme le râteau ou comme les feintes de corps. Et vous avez du mal vraiment à être à l'aise dans vos mouvements. Je vais vous donner un exemple, c'est un peu comme en athlétisme. Souvent, on dit au footballeur de faire de l'athlétisme. Ça ne veut pas dire que le footballeur qui va faire de l'athlétisme, il va passer son temps à courir sur le terrain. D'accord? Mais ça veut dire qu'il va apprendre à mieux courir. Donc, on va lui apprendre à accélérer, à bien courir tout simplement. Et ça se verra sur le terrain. Lorsqu'il va falloir accélérer pour rattraper le ballon ou je ne sais pas quoi, ça se verra. Mais le joueur ne va pas passer 90 minutes sur le terrain à courir comme un malade. Eh bien, les techniques que je vous apprends, c'est la même chose. Peut-être vous n'allez pas à chaque fois les utiliser, mais ça va vous permettre tout simplement d'être à l'aise. Lorsque, par exemple, vous allez devoir faire un geste, une feinte de corps ou bien un râteau, eh bien, vous allez le faire avec tellement de facilité, tellement de fluidité que votre adversaire ne pourra pas vous stopper. Donc, il faut toujours voir les choses comme ça parce que je sais très bien qu'il y a toujours des gens pour dire: ouais, mais ça ne sert à rien, tu ne vas pas faire ça sur un terrain. Voilà. Donc, au moins, ça, c'est clair. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Nous allons apprendre le premier mouvement de déstabilisation. Et pour cela, je vais vous montrer des petits extraits de mouvements de déplacement. Mais cette fois-ci, ce n'est pas moi, d'accord? C'est un des garçons que j'ai le plaisir d'enseigner un peu le football, qui s'appelle Alex, qui va vous montrer un peu comment on se déplace, d'accord? Lorsqu'on fait des face-à-face. Donc ici, il n'est pas question de petits ponts encore, il est question de déplacement avec le ballon. Parce que vous allez voir, il va utiliser certains mouvements de déstabilisation. Et ce qui est important dans ce qu'il va faire, c'est qu'en fait, il va aussi utiliser ses deux pieds. Parce que moi, je pense que lorsque vous maîtrisez des mouvements avec le pied, votre bon pied, par exemple le pied droit,
il faut aussi les maîtriser avec le pied gauche pour créer l'équilibre. Et l'exemple d'Alex est très intéressant parce que vous allez voir, il manie le ballon avec les deux pieds. Regardez. Donc voilà, une petite dédicace à Alex et à son père et le club de Septem. Donc, alors, quel est le geste que je vais vous apprendre aujourd'hui? Puisque comme vous avez vu, là, Alex, il a réalisé plein de petits gestes. Et comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, les mouvements de déstabilisation sont des mouvements qui font appel à deux choses. Les touchers de balles, des touchers de balles très rapides, et aussi votre corps, votre façon de comment dire de bouger avec votre corps. Donc le mouvement d'aujourd'hui, c'est celui-ci. Regardez. Donc, bien entendu, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas un mouvement que vous allez forcément utiliser sur intérêt, mais c'est un mouvement qui va à la fois débloquer vos hanches, qui va vous permettre de travailler vos appuis, ça vous permet aussi de travailler la motricité. Si vous regardez bien ce mouvement, c'est que de la motricité, mais avec ballon. Donc, vous allez développer en fait des aptitudes que vous-même, vous n'allez même pas vous en rendre compte. Mais vous allez le sentir lorsque vous allez être sur le match. Tout d'un coup, vous allez sentir que vous êtes plus à l'aise avec le ballon, que vos appuis sont bien en place, que vous arrivez à vous déplacer avec plus d'aisance, etc. Donc, c'est ça le but de ces petits mouvements. Et ça vous permet aussi, en même temps, lorsque vous allez faire des face-à-face, de pouvoir déstabiliser votre adversaire. Voilà, ça, c'est le premier mouvement. Et comme vous voyez ici, Alex, il est en train de l'utiliser. Donc, ça, c'est le premier mouvement qui va vous permettre tout simplement de commencer à travailler les mouvements de déstabilisation. Donc, il faut comprendre une chose qui est très très importante, c'est une chose que je répète souvent, mais qui est très très importante. Il faut vous entraîner souvent, il faut répéter ces mouvements le plus souvent possible. D'accord? Il faut les répéter à chaque fois, hein? Parce que c'est ce qui va vous permettre tout simplement de les maîtriser. Si vous les faites une fois ou si vous les faites tous les ans, c'est pas ça qui va vous aider à les maîtriser. Vous devez les répéter presque tous les jours jusqu'à que ces mouvements deviennent automatiques. D'accord? Parce que c'est ça. Ce qui est recherché ici, c'est l'automatisme. Il faut qu'à un moment donné, vous réalisez ces mouvements, mais sans même pas réfléchir. Il faut que ça soit fluide. Et pour que ça soit fluide, vous devez les répéter plusieurs fois. C'est comme moi, lorsque je fais ces mouvements-là, ça c'est du freestyle, tous ces mouvements que je suis en train de faire, ce ne sont pas des mouvements préparés. En fait, j'ai appris plusieurs mouvements et à un moment donné, je me mets à les mélanger, mais sans même pas réfléchir. Et c'est ça la maîtrise de quelque chose, c'est lorsque vous faites les choses automatiquement. Donc, ce premier mouvement, essayez de les maîtriser et ensuite, bien entendu, je vous montrerai dans les prochaines vidéos comment combiner plusieurs mouvements de déstabilisation, mais aussi comment combiner plusieurs mouvements de dribble. Voilà, bon, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Donc, avant de finir, bien entendu, on va faire quelques dédicaces, comme d'habitude. Donc, une petite dédicace à Bilal, qui habite à Aulnay. Donc, une petite dédicace aussi à Mélanie, une petite dédicace à Hugo, une petite dédicace à Célia de Grenoble. Donc comme quoi il y a des filles aussi qui aiment le football, il n'y a pas que les mecs.
Et en parlant de filles qui aiment le football, je voulais faire une petite dédicace à Sarah. Sarah qui fait partie des joueurs, en fait, des joueuses, on va dire, que j'ai le plaisir d'entraîner. Une petite dédicace à Calvin qui habite en Normandie. Ah, ça se prononce Calvin. Donc, une petite dédicace à Calvin qui habite en Normandie. Donc, voilà, une petite dédicace à tous les jeunes que j'ai le plaisir d'entraîner. Et une petite dédicace aussi à vous tous et à vous toutes. Donc, comme d'habitude, restez toujours motivés et n'abandonnez jamais votre rêve. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao!